Et salut mes petites tomates farcies Au jour d'une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le lire dans la description, sur Village Attacks La dernière fois, on s'était fait bouter euh, hors de notre château par les mécréants, les gueux euh, du village d'à côté, parce que ben, j'ai pas été foutu de calculer correctement mes enfants d'attaque, et je me suis fait avoir comme un gros bleu, nest euh, L'idée cette fois-ci, donc, c'est de refaire la mission 1, mais avec les autres personnages de la boîte de base, à savoir euh, le Vampire, la Liche, et toujours le Dulan en gardien, parce qu'en fait, euh, du coup, nous avons dans la boîte de base un gardien, deux décimateurs, et deux supports, voilà. Gardien, c'est gardien le mot-clé, vous êtes sûr c'est gardien On ne sait plus. Je vais regarder ça tout de suite. Gardien, tout à fait. Euh, deux décimateurs et deux supports dans la boîte de base. Euh, Vampire, Lich, Dulan, euh, Succub, Banshee. Dernière fois, nous avons l'équipe Dulan, Banshee, Succub. Euh, on s'est fait avoir au... Pas au dernier tour, forcément, hein, parce que c'est là que Mais nos trois personnages avaient atteint le niveau 1. Euh, qui était une des conditions de, enfin, une mi-condition de, mi de victoire. Après, il fallait vider le château. Et malheureusement, bah, j'avais des, des créatures qui étaient vraiment trop proches du château, du cœur du château. Et en lançant le D, j'ai fait le petit, le petit symbole, euh, le petit symbole de la torche qui est activation des villageois. Et comme ils étaient à équidistance, les deux à une case du château, bah, forcément, euh, bah, dès que quelqu'un met le pied dans le cœur du château, c'est la défaite. Voilà. Donc, pour vous présenter les autres personnages que sont le vampire et la liche, nous allons, euh, bah, faire la, refaire le prologue. La enfin, mission 1 hein, en tout cas, euh, et puis peut-être qu'on verra après vous faire les autres missions sur, sur la chaîne tranquillement. Je me les ferai tranquillou euh, hors caméra, et puis de, de temps en temps, hop, je popperai une, euh, une petite vidéo sur Village Attacks, euh, Sachant que j'ai déjà commencé à récupérer quelques extensions qu'il faut que je vous présente. Euh, alors, c'est pas celle du troll ni Horror of the Sand qui coûte euh, toujours une petite couillasse à récupérer. Par contre, j'ai récupéré, je crois, toutes les autres extensions de personnages des en français. Euh, donc euh, dans chaque extension, tu as deux monstres et deux héros. Alors les monstres, hein, c'est euh, ce que jouent le, 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 les joueurs et les héros, ce sont les, les ennemis. Donc voilà, Donc pour l'instant, on n'a pas encore vu les héros, on ne verra pas les héros à cette partie-là, on ne verra pas non plus les événements ni les pièges euh, parce qu'on refait la mission 1 euh, dont je vais parler juste après en, en, face, euh, en face de table et on va présenter les monstres que l'on va incarner durant cette partie. Allez, je vous dis à tout de suite allez. hop Village Attacks un euh, jeu d'Adam Smith, édité chez, euh, enfin, distribué par Légion et édité chez Grimlord Games. une une édition qui n'existe plus, je crois bien. Donc, il n'y aura plus de version de Village attaque, malheureusement. Euh, on va mélanger. Alors, je ne refais pas un point sur les règles. Hein, je vais juste remélanger euh, les cartes ici. Un euh, petit coup, ça va être toujours pas de mal. De pop de villageois, et on va expliquer un petit peu les règles du scénario 1. Euh, et les règles maison que j'utilise pour jouer. Hein, voilà, parce que normalement, en fait, tu as un jeton premier joueur qui circule euh, de monstre en monstre euh, sur, qui sont là sur, sur les côtés. On va le présenter juste après. Donc, en fait, et après, tu joues par ordre chronologique. Hein, tu fais euh, celui-là, puis celui-là, puis celui-là, après celui-là devient premier joueur. Donc, tu fais ça, 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 ainsi de suite. Euh, moi, je trouve ce système là euh, chiant au possible. D'autant plus que euh, les dés, en, comme j'ai expliqué lors de la précédente vidéo sur Virattaque, tu pas une possibilité de mitiger euh, tes lances CD savoir des refaire, sauf si bien sûr tu fais trois fois le même symbole et là tu peux relancer le dé, mais tu peux tomber dans, dans des situations où bah, tes personnages ne vont pas être du tout attaquer. Hein, si jamais tu fais, je sais pas, deux villageois, deux boucliers, et alors si tu tombes, voilà, si tu tombes sur genre, cette situation-là, voilà, et voilà, ben tu es comme un gros con, parce que là, ben, tu peux euh, rien faire, tu peux utiliser de la magie si tu as des pouvoirs magiques, tu peux, bon, tu vas faire avancer un villageois, et là, te défendre, mais c'est tout ce que tu peux faire, donc tu ne veux pas forcément attaquer, donc c'est très pénalisant, je trouve, de devoir imposer l'ordre des, des monstres pour gérer certaines situations. Donc, pour pallier à ce petit problème-là, je vais euh, jouer les monstres. Dans l'ordre de mon choix, juste en leur mettant une petite, un petit socle ici pour dire, voilà, lui il a joué, lui, lui il a pas joué, tout simplement. D'ailleurs, ce pas du tout les bonnes couleurs, mon petit coco. Si toi tu restes bleu, mais toi tu n'es pas jaune, tu es violet, euh, violet, violet, violet. Voilà. Euh, donc du coup, pour gérer les, les, les monstres euh, un petit peu à la volée. Euh, Qu'est-ce que j'utilise autre comme règle maison C'est à peu près tout. Voilà vraiment le fait de choisir vraiment, moi, euh, l'ordre des monstres. Ah, six secondes règle maison que j'emploie. C'est à savoir, lorsqu'on me demande d'utiliser la pièce, la petite pièce on est joueur ici de pile ou face, pour pouvoir faire un choix, c'est moi qui fais ce choix-là. Alors, ça dépend de certaines choses. Typiquement, si je prends le euh, pouvoir de la Banshee, qui dit qu'une pi... qu zone devient défavorable. Défavorable, c'est-à-dire que si quelqu'un attaque et que je lance le, 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 la pièce sur pile ou face, euh, l'attaque est ratée. Ça, je vais lancer la pièce. Mais par contre, pour... Faire un choix de priorité, de, de ciblage ou un choix de déplacement de villageois. Je choisirais moi-même plus ou moins ce qui m'arrange euh, parce que je trouve le jeu déjà suffisamment dur comme ça. Euh, et je trouvais que cette petite modification de règle euh, apportait juste ce qu'il fallait pour que le jeu se devienne euh, faisable. Euh, je dis pas qu'on y arrive, même la preuve, j'ai perdu la, la partie précédente. Mais au moins, qu'on ait une petite chance de, euh, de gagner, tout simplement. Donc je garde la pièce de côté, donc d'un côté on a le, la face Goa'uld, et la face, euh, la face viking ou sauron, je sais pas, enfin, le, voilà, je sais pas trop quel est le, le savoir enfin, gros là c'est un casque, et de l'autre côté c'est une petite boule de feu, hein, voilà. Ben, ça sent étrangement à une... une larve Goa'uld, encore une fois. Euh, ici le cœur du château a 5 points de vie, il peut pas descendre plus bas quand un monstre meurt, il perd tous ses tokens, tout ça, sur lui, et quand il revient à la vie, le château perd deux points de vie. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que si jamais un monstre meurt et que le château n'a pas assez de points de vie pour le faire revenir à la vie, le monstre est mort de manière définitive. Donc grosso modo, si le monstre meurt à 5, que ce soit 5, là, après il revient à la vie à 3, le château, un autre monstre meurt, il revient à la vie, le château à 2, et une fois que je suis ici, malheureusement, le château ne peut pas aller plus bas. Donc j'ai droit à deux, rés deux résurrections de monstres, et pas plus. Pas de caution de défaite, si jamais le château arrive à zéro, de toute façon ça ne peut pas arriver parce qu'il n'y a pas de morale du village, il n'y a pas d'événement village, bref, il y a plein de choses qui font que le moral du cœur du château ne va pas descendre en point de vie. De toute façon, la partie est perdue lorsqu'un villageois pose le pied dans le cœur du château. Voilà, si jamais ça arrive, la partie est perdue. Le moral des villageois ici est infini. On ne va pas baisser le moral du village, village lorsqu'on va les tuer. Les villageois apparaissent toujours au tiers 2. Donc vous verrez sur les cartes, il y a un tiers 1 tiers, 1, tiers 1, tiers 2, tiers 3 en fonction. Du moral du village, et eh bien là pour ce scénario là, ça apparaît toujours au tiers 2. C'est pour ça que c'est pas forcément évident parce que ça, ça fait apparaître pas mal de bestioles. Euh, les villageois cessent d'apparaître quand chaque monstre a déjà gagné un niveau. Voilà, c'est une des conditions qui fait que les, les, les villageois arrêtent de spawner. Quand tous les monstres ont fait un niveau, euh, on, les, les, les villageois cessent d'apparaître. Il euh, n'y a pas d'événement, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de héros. Euh, chaque monstre ici ne peut gagner qu'un seul point d'expérience, pas plus. Euh, voilà, pour les règles spéciales du, du scénario, les différentes pièces, nous avons une pièce ici, une pièce ici sont des pièces qui sont au soleil. Donc du coup, quand un monstre finit son déplacement dessus, il gagne embrasement et il perd un point de vie. Embrasement, à chaque activation, il va perdre un point de vie. Donc si jamais j'ai ma liche qui se termine son mouvement ici, eh bien elle va perdre un point de vie, récupérer embrasement et à son activation prochaine, elle prendra un... De dégâts idem pour celle-ci, qui est une fontaine qui est située à l'extérieur du château euh, du monstre, et de ce côté-là, nous avons la salle qui donne euh, c'est l'armurerie. En fait, les villageois infligent plus une blessure lorsqu'ils attaquent depuis cette zone, donc n'est pas très impactant pour des villageois, à moins que j'ai un monstre qui soit dans la salle. À ce moment-là, du coup, les villageois fera deux dégâts à la liche. Par contre, s'il est ici, bah, comme le villageois attaque et s'est passé après, c'est pas grave. Par contre, si c'est un chasseur qui est ici, le chasseur lui fait attaque des attaques à distance, donc il va gagner un petit bonus ici. Voilà. Euh, je pense que j'ai tout dit par rapport au scénario, le but du jeu, c'est donc effectivement euh, que chacun des monstres gagne un niveau, et après, de vider le château de tous les monstres. On va présenter les différents personnages, différents monstres que, je, que nous allons jouer. Le Dulan, vous voyez, j'ai toujours pas peint les figurines, mais il y en a quand même une donc je vais pas forcément me lancer là-dedans. Le Dulan, parce que si jamais je sais que je commence à peindre ne serait-ce que les monstres, après, il faut que je fasse tous les, euh, les champions, les paysans, les villageois, et... Voilà. <laughs> Le Dulan, 10 points de vie, c'est un monstre mythique qui a 7 points d'expérience à passer en niveau. Il a 3 zones de défense, une zone de réserve, 2 zones de mouvement. Il commence avec la capacité inexplorable qui lui permet d'assommer un paysan ou un chasseur à chaque fois qu'il rentre dans une zone assommée, c'est-à-dire que le paysan se couche, le, le, le chasseur se couche et du coup, euh, à sa part activation, il ne fait que se lever. Le Vampire, qui est un support, le Vampire, qui est une créature maudite, euh, donc de contour bleu, 8 points de vie, 6 points d'expérience pour passer au prochain niveau. Il a 2 de défense. Euh, à la fin de son tour, il retient un dé sur sa carte, donc il peut se régénérer. Il peut également passer en forme de chauve-souris et accès au vampirisme. On verra la compétence que l'on prend le moment venu. C'est que j'ai pas présenté le duel, je vais faire ça juste après. Euh, le vampirisme ici, les chauve-souris, il peut se déplacer sans, sans entrave jusqu'à deux zones, par dé dépensé pour le mouvement. Voilà, donc si jamais on active ça et qu'on fait un mouvement avec euh, un dé, et ben il va s'appeler deux zones, voilà. Ou de quatre zones si on met deux dés pour le mouvement, par exemple. Et vampirisme, chaque villageois tué, on tire une blessure de chaque carte monstre dans sa zone, lui y compris. Voilà, donc sur un, sur un petit bouclier. Et l'amélioration la, de la régénération, euh, là c'est à la fin du tour, je me régénère de deux blessures. Je n'ai pas présenté le Dulan, on va présenter le Dulan rapidement, ses différentes caractéristiques. Il peut donner un coup de fouet sur une attaque de riposte sur un dédripos qui met ici sa première blessure au corps à corps inflige une seconde blessure à au même villageois de la même catégorie la soif de sang les villageois ne quittent pas sa zone donc si jamais on met ça il empêche les paysans pas les villageois les paysans de quitter sa zone et inexorable il peut assommer jusqu'à deux paysans ou deux chasseurs quand il entre dans une zone et enfin nous avons la liche qui est le père, le... donc je mets le vampire ici je ne vous ai pas présenté la figurine du vampire là, voilà et enfin nous avons la liche Ici, qui est une, une créature des arcanes. Très jolie. Les figurines sont, sont très jolies. Hein. Euh, donc de type euh, enfin, offensif, donc euh, décimateur. 6 euh, points de vie, 5 points d'expérience. Euh, elle a sa flèche spirituelle qui n'a aucune portée. Enfin, en tout cas, aucune ligne de vue, pardon, qui n'a pas de portée. Votre premier attaque à distance peut cibler n'importe quelle zone, donc ça me permet de euh, cibler n'importe quelle, quelle zone à condition d'utiliser, bien évidemment, la capacité magique. En termes de puissance, je peux faire ça avec une flèche spirituelle, l'améliorer pour, qu pour que mes deux attaques à distance tapent n'importe où sur la carte. Je peux lancer la moisson spirituelle. Ma zone subit un moitié de blessure égale à la moitié... Pfff. À la moitié des villageois de la zone. Alors on recommence. Ma zone subit un montant de blessures égal à la moitié des villageois dans la zone. Alors ça parle de la zone. Donc du coup, je pense que je suis également concerné euh, par ça. À la moitié des villageois dans la zone. Donc si jamais il y a 4 villageois, la zone subit 2 dégâts. Mais c'est des dégâts pour toute la zone en fait. Donc c'est-à-dire que chacun va subir. Ouais, alors là, il là, faut que je regarde un petit peu les, les règles sur le dégât de zone. Je ne sais pas si on en parle, des dégâts de zone ici. Euh. Phase d'entretien, la portée, règle avancée. Est-ce que est dans la règle avancée on parle de, de, des dégâts de zone C'est pas forcément évident là, à comprendre parce que c'est la zone qui subit des dégâts. Et on parle du troll. Euh, on parle des sbires. Ça, c'est les différentes extensions. Non, c'est-à-dire que je fais deux dégâts dans la zone et a priori, je ne peut-être pas le... je suis pas sujet à la priorité. Mmh. C'est pas que les rouilles hein. C'est pas que les rouilles, c'est pas que les rouilles, blessures dans une zone. S'il y a petite puce, mon souligne affiche des blessures dans une zone, elles sont réparties en respectant la priorité de ciblage. Paysan Chasseurs et héros, d'accord, donc du coup, en fait, là, du coup, ça veut dire que je vais faire autant de blessures que j'ai de villages dans la zone, et je vais commencer par blesser les paysans, puis les villageois, puis les héros, puis les... Euh, pardon, les paysans, les chasseurs, et enfin les héros, d'accord, ok. Bon. Et enfin, là, nous avons zombifié euh, zombifié qui est dans ce sens-là, ici, zombifier sur une, une capacité euh, de magie, je peux déplacer tous les paysans de la zone ciblés vers une autre zone dans n'importe quelle direction. Ça, c'est plutôt intéressant pour éviter qu'ils s'approchent trop près de mon, euh, de ma zone de départ. Euh, pour la mise en place, on va tirer une carte pour euh, alimenter la zone qui est là-haut. Ce sont quatre chasseurs. Donc quatre chasseurs de quelle couleur Donc du coup, dans ma petite poche de chasseurs, j'ai mis. Euh... Non, je n'ai même pas mis d'ailleurs. Il faut que je retrouve où sont dans mon merdier là les petites. Euh, voilà. Euh, les petits trucs. Donc du coup, j'ai le bleu pour le maudit, le violet pour les arcanes et le rouge pour les cartes mythiques. Le jaune et le vert des euh, créatures mort-vivantes et euh, démons ne sont pas présentes. Je mets ça dans la poche et je vais voir combien de héros, de chasseurs apparaissent. Donc pas combien. Je sais combien il y en apparaissent 4 mais surtout de quelle couleur. Ça je ne sais pas. Bleu, bleu, c'est maudit. Donc j'ai quatre 4... chasseurs maudits qui apparaissent là-haut. Donc je rappelle que les chasseurs, euh, ils infligent des dégâts voilà, au type de créature, enfin ils infligent des dégâts en plus au type de, de créature dont ils ont le socle, la couleur, le, le... Enfin, la couleur au niveau de leur socle. Donc là c'est bleu, donc c'est-à-dire que ces chasseurs-là vont infliger deux points de dégâts à, tout, à tous les monstres maudits, et pas seulement aux vampires. Donc c'est très important quand même d'essayer d'avoir dans son équipe euh, de euh, monstres un euh, maximum de couleurs pour ne pas, ne, pour ne pas avoir euh, bah, tous les... Euh... Des chasseurs qui, bah, qui vont faire des mal à tout le monde. quoi, Voilà, Je joue à trois joueurs, comme si j'étais donc trois joueurs. Donc c'est le, le, les snow sont prévus pour. Si tu joues à moins, tu peux jouer à deux. Bah, du coup, il y a des, des choses qui changent. Si tu joues à plus, il y a également des choses qui changent au niveau du spawn des, euh, au niveau du, des spawns des, spawn des, des ennemis. Donc voilà, ça c'était pour ce point de spawn là. On va faire celui-ci maintenant. Ce sont six villageois qui arrivent. Alors six paysans, pardon. Et voilà, et il est temps pour moi de jouer. Alors, on va commencer par qui On va commencer. Alors, non, je devrais donner la, la, la pièce pour les joueurs à quelqu'un, mais comme je ne joue pas comme ça, ce n'est pas très très grave. Euh... Peut-être c'est de commencer par la liche, parce que comme ça, elle peut commencer à frapper n'importe où avec son, son attaque, en tout cas la première. Donc, vais commencer par la liche, et on va voir ce que ça donne. Oula. Alors, la liche, si c'est pas trop mal. Ah, j'ai deux villageois et ça. Alors. Alors du coup malheureusement je n'ai pas la magie, donc je ne vais pas pouvoir me servir de ça malheureusement. Donc c'est pas très très rigolole. Euh, donc je vais faire avancer donc avec la petite, fla la petite flamèche, je fais avancer ceux qui sont le plus éloignés du cœur du château. Donc eux ils sont à une, deux cases du cœur du château, tandis qu'eux sont à une, deux, trois cases, donc je vais avancer ici deux trucs. Euh, il me reste ça. Donc ce que je vais faire, c'est. Euh... Ouais, mais alors là. Je vais faire avancer la liche avec cette case-là, ce mouvement-là, ici. Avec une attaque à distance, je vais taper sur un chasseur, ce qui me fait gagner un point d'expérience. Je m'attendais à plus de dégâts de la part de la liche. Euh, et je fais reculer la liche ici, je la ramène ici. Donc ce n'est pas la peine de garder mon autre dé. Ça c'est un dé de riposte. Et l'autre c'était un dé de, de mouvement. Voilà, donc il me reste un dé. Est-ce que je mets en réserve euh, ce, ce, cette valeur-là Je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas forcément envie euh, pour la liche d'avoir ça. Bon, c'est un, un tour un petit peu faible, sachant que c'était quand même la personne euh, bah, qui était censée faire le, les plus de dégâts, la liche. Donc voilà, donc maintenant je pense que je vais faire jouer le dulan là-haut, qui a peut-être aller gérer euh, soit là-bas, soit là-bas en priorité. Sachant que le vampire, il ne faudrait pas qu'il aille là, euh, du fait que là-bas, c'est quand même les, les chasseurs qui le ciblent, enfin qui vont lui faire le plus de dégâts. Alors, le dulan, qu'est-ce qu'il fait Le dulan, il fait de la merde. Heureusement, j'ai trois d magiques ici, comme ça je vais pouvoir les relancer. Ok, ah, c'est pas, pas mal, c'est pas trop mal. Donc là, j'ai un dé pour faire avancer un villageois, donc là, toi, je vais te faire avancer ici. Et ce que je vais faire avec le Dulan, je pense que Dulan, il va faire deux de mouvements, il va faire un, deux de mouvements. Il va faire un, deux. Quand il rentre ici, automatiquement, euh, un paysan est, euh, est assommé, un chasseur, ah non, c'est un paysan, ou un chasseur. C'est sa, sa capacité inexorable. Et il me reste trois attaques corps à corps que j'utilise là pour flinguer les trois qui sont ici. Voilà. Comme ça, le dulean, il est bien ancré là-haut. Euh, avec ses 10 points de vie, euh, voilà, il y a moyen. Bon, du problème, c'est qu'il ne va plus trop bouger. Donc malheureusement, bah, il ne pourra pas utiliser sa capacité inexorable, mais on ne sait jamais. Euh, donc hop, donc il gagne 3 points d'expérience sur les 7 nécessaires pour, euh, pour passer un niveau. Et il reste du coup le vampire qui n'a pas joué. Alors, Dulan, 10 points de vie, ça pose d'expérience. Le vampire, 8, 6 points d'expérience. 8 .10 points de d'expérience. La liche, 6 et 5. Donc, le vampire, dit, À la fin du tour, il peut retirer une, ses blessures de, 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 de sa carte. Donc, il aura un truc pour se soigner. On va voir ce qu'il fait, le vampire. Putain, le vampire, c'est de la merde encore, là. Oh là là, là c'est une catastrophe, quoi. Donc, lui, il va arriver là. Euh, lui, il va arriver là. Alors, le vampire, qu'est-ce qu'on va faire avec le vampire Le vampire. Ça, ça a été fait comme ça. <laughs> Le vampire, je pense qu'il va faire. Le vampire, a deux mouvements, deux de défense. Donc il va faire un mouvement avec ça pour aller ici. Une attaque à distance avec ça pour tuer un paysan ici. Il gagne un point d'expérience. Euh, il lui reste euh, chaque truc un point de vie. Donc ce qu'il va faire, c'est que je vais faire ça et ça. Voilà, je vais mettre ça en défense. Et ça, éventuellement en mouvement ici pour aller ici. Voilà. Alors, ça, je vais me faire taper, mais je vais en tuer un et je vais absorber un autre dégât. Et après, je me soigne de 1. Ouais, ça me paraît pas mal comme, euh, comme plan. Je sais pas si c'est vraiment pertinent. Ce qui m'embête un peu dans, mon, dans ce tour-ci que j'ai fait, c'est que l'inefficacité de la liche a été, euh, a été un, petit peu, un petit peu problématique. Elle n'a pu tuer qu'un seul qu seul ennemi. Et là, du coup, en défense, j'ai ça et ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai tué euh, Voilà, Dulan, c'est lui qui était finalement le plus efficace. Malheureusement, euh, bah malheureusement, malheureusement, quoi. Les autres créatures euh, n'ont pas fait le taf. On passe maintenant à la phase des villageois, tout simplement. Alors, euh, en commençant par les zones les plus proches du château, les villageois attaquent puis bougent. Donc du coup, c'est eux qui vont attaquer puis bouger. Donc lui, il attaque sur le vampire. Je décide d'utiliser ma riposte. Vous savez que le, ventire, le vampire prend un point de dégâts, mais il tue également le villageois qui est là. Le vampire prend un point de dégâts, mais grâce à sa, à sa régénération. Il va pouvoir récupérer son point de vie. Le second villageois fait également une attaque sur le vampire, mais grâce à sa défense, il absorbe deux points de dégâts. Et enfin, le troisième villageois qui est là, et lui, il avance. Voilà. Enfin, le troisième villageois qui est là, lui, il avance. Il, fait un... il attaque le vampire qui lui fait un point de dégâts. Et il avance ici. Ensuite, eux, ils arrivent ici. Voilà. Donc là, il y a quand même une petite urgence à gérer ceux qui sont là, parce que si jamais ça ne se passe pas bien, euh, bah là, c'est la... la merde. On va retirer de nouvelles cartes d'apparition d'ennemis. Cinq villageois arrivent là-haut. Alors, cinq paysans, pardon. Ce sont forcément des villageois, donc ils arrivent au niveau du Lahan. Donc, cinq sachants là-haut, cinq chasseurs. Non, cinq paysans là-haut, et ici. Quatre chasseurs. Alors, quelles couleurs vont-être Oui, vont-être là. C'est bon, là, j'ai droit à la liaison. Euh, de quelle couleur les chasseurs ici Toi. Et c'est du mauve. Donc, on a quatre chasseurs qui viennent fracasser des monstres de type arcane. Alors, voilà. qu'est-ce qu'on a ici Je vais prendre toi. Sur un gros socle. Pour vrai que je pourrais éviter de désocler à chaque fois les. Les créatures, lorsque je les tue, de les reprendre une fois qu'elles sont soclées. Et directement ils me servir, ça peut être aussi une possibilité. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, là, il va essayer d'accélérer un petit peu mes petits cocos. Hop, on revient là. Du coup, on va réactiver le Dulan, le Vampire et la Liche. Donc on a quand même une urgence à ce niveau-là. Les deux qui sont là, je vais donc commencer par activer le vampire, je pense. Ouais, je vais activer le vampire. Alors, vampire, qu'est-ce qu'il fait Le vampire, il fait ça. Ouh là là. Alors là, c'est n'importe quoi. Il a quatre ripostes de magie. Donc autant te dire qu'il ne peut faire aucun dégât. Donc je vais relancer mes 4 ripostes qui sont ici. On espère en tomber sur des trucs un peu plus sympathiques. J'ai deux boucliers, une riposte, une attaque à distance. C'est pas fifou, c'est pas fifou mon affaire. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais pas relancer. Donc j'ai fait une attaque à distance sur toi. Voilà, donc ça, pour ça je les garde, c'est là. Attaque à distance sur toi, ce qui me fait gagner un point d'expérience. Allez, voilà, bon, là, là on n'est pas bien. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien, parce que du coup si lui il bouge pas. Eux vont venir m'enquiquiner, donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est. Oh là, là là, je suis dans une situation un petit peu problématique. Euh... Là, il va devenir embrasé si je le laisse ici. Si je l'amène là, euh, je peux l'amener là pour qu'il soigne complètement, en fait, si, si vous voulez. Mais là-bas, là, là, là c'est pas géré il faut que la liche fasse du gros gros dégâts. Hein. Bon, moi je vais faire ça parce que là, si je laisse là, il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va prendre 10 points de dégâts parce qu'eux ils attaquent à distance. Donc, si je laisse là, il prend 10 points de dégâts et il meurt. Donc, c'est pas possible, c'est pas gérable de laisser le vampire ici. Le vampire, il faut à minima que je l'amène ici. Si je l'amène là, qu'est-ce qui se passe Lui va m'attaquer. Donc, je peux riposter. Et ici, alors attendez, si je vais peut-être essayer de revenir là, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais euh, avec. Ah non, j'ai que deux de mouvements avec lui. Non, je ne peux pas faire ce que je voulais faire. Bon, tant pis. Avec deux de mouvements, bah, je vais aller faire 1, 2, ici. Et je vais utiliser mes deux magies là pour me soigner de deux. Point de dégâts. Ouais. Et c'est tout. C'est pas... On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. Je vais faire jouer la liche en espérant qu'elle fasse des... des dégâts, la liche. La liche, c'est encore de la merde. Voilà. Voilà pourquoi ce jeu peut être très frustrant, regardez mes en 7D. Euh, voilà, la liche ne fait là aucun dégât. Donc je vais relancer mes trois trucs comme ça. On en espérant faire du... tomber sur du dégât. Et encore, bah, non, je tombe sur de la merde. Même pas d'attaque à distance avec la liche. Euh, là, euh, là du coup, là je peux faire... Là, je vais faire avancer euh, le villageois le plus éloigné. Donc toi, tu vas arriver ici avec ça. Ça veut donc dire que la liche, elle a Bon, la liche, a deux mouvements. La liche, peut faire un, deux, et après, elle se va faire fumer par les trucs là-bas. Donc la liche, il faut qu'elle fasse quoi La liche, faut qu'elle fasse euh, un mouvement avec ça, un, un, un d'attaque avec ça pour tuer le pauvre pécor qui est ici, prendre un point d'expérience. Et il me reste ça. Euh, alors si, je mets en réserve, je vais mettre la magie ici. Comme ça, je pourrais m'en servir à mon prochain tour. Je n'aurai pas besoin de, de dés magique. Enfin de, de dés tombé sur un tas magique. Je vais pouvoir éventuellement le, le garder. Et il me reste bah, en défense ça et ça. Ah non, il faut encore un mouvement. Faut, je ne dois pas rester là, sinon je vais me faire cramer les michettes. Je vais utiliser ça pour venir ici. Et bah, ce dé là est perdu. Ok. Bon là, on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien, on n'est pas bien. J'espère que le Dulan va faire autre chose là-haut. Il va peut-être en gérer un peu plus le Dulan parce que là, là, on n'est vraiment pas bien. Ok, le lane fait déjà des trucs beaucoup plus sympathiques le duelan, ça me plaît mieux, ce qu'il fait. Il va faire 2 pour en taper 2 au corps à corps. Donc ces de là hop, il meurt. Donc il prend 5 2 euh, points d'expérience, ce qui fait qu'il monte à 5 euh, points d'expérience au total. Pardon. Hop là, voilà, sur les 7 qu'il a. Il y a 5, c'est déjà bien. Euh, il, va, il va bouger de 1 ici. Pour utiliser une attaque à 10. Ah oui, attends, il voir. 1. Si je bouge de 1, il va bouger. Ah non, j'ai droit à un cadeau de mouvement avec lui. Je ne peux pas bouger. Ah, je ne pas bouger. Donc il va y avoir ça. Ou sinon je voulais l'amener. En fait, je voulais qu'il arrive ici. Mais là, il partait de là. Donc 1, 2, 3, c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est... J'ai bougé de 1. Je fais une attaque à distance là pour en tuer un. Je vais tuer toi, Ce qui me donne un point d'expérience. Du coup, j'arrive à 6 points 6 sur 7. Ce qui est pas mal. Et comme je n'ai pas envie de rester ici, je vais ravancer de 1 avec mon bouclier qui est là et prendre la riposte en défense là-bas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand les paysans là-bas vont là s'activer, ils vont d'abord me taper, mais je vais leur infliger les mêmes dégâts en retour. Et donc, je passerai mon niveau acclaudé la Voilà. Voilà. Par contre, alors, le il arrive à gérer tout seul là-haut, par contre les deux la tic et Tac, là, la liche et le vampire, ils n'arrivent pas du tout à gérer cette partie-là, et c'est là que c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Euh... Alors, attends, je l'ai mis en réserve, l'ai mis en défense, oui, ça c'est bien en défense, ça c'est bon. Donc les paysans vont s'activer maintenant. Tous mes, mes trois monstres ont joué, donc on va faire activer ceux qui sont. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai pas pris beaucoup de symboles de, de petites de petites torches, mais bon. Euh, plus proche, ils vont s'activer donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, normalement, tu es censé utiliser la pièce pour savoir ce qui va se passer en premier. Euh, franchement, là, pas trop d'intérêt, et puis surtout qu'en plus, c'est moi qui choisis donc je vais plutôt choisir là-bas. Hein. Je vais commencer par là. Donc là, il fait 1, hein, il s'active, il a tapé une fois le Dulan il prend un point de dégâts. Le Dulan, le Dulan utilise sa riposte tout de suite pour le tuer. Voilà, attends, j'ai pris 3 points de dégâts, mais c'est 1 point de dégâts. Voilà, et ce faisant, le, Dula, le Dulan prend un point d'expérience parce qu'il vient de tuer le, euh, le pécor en riposte et donc gagne son niveau. Alors, c'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce que je vais prendre Là, il y a un seul paysan. Donc, soit je j'assomme de paysans quand j'avance, soit je fais un coup de fouet qui va être de tuer deux, soit j'empêche que les paysans quittent ma zone. Bon, le paysan a forcément quitté la zone. Hein. Euh, mais s'il si y avait d'autres paysans arrivent, il va pouvoir les contenir là-haut, le, le Dulan. Hein. Ça, c'est plutôt intéressant. Ou en tuer deux. Euh, Est-ce que j'essaie de les contenir là-haut. Je prends la vasque de sens, cette fois-ci. Contrairement à l'autre partie. Et là, sur un bouclier, euh, en fait, ça fait qu'ils vont pouvoir être. Euh, ils vont rester là. S'il si y a même un bouclier dessus. Mais donc, lui, il avance ici. Ensuite, ceux-là vont arriver là. Et eux vont arriver là. Donc là, j'ai quand même une espèce de grosse urgence, là. Là et là. On va faire apparaître des monstres là-haut. Vont apparaître 5 pécores. Ça tombe bien. Parce qu'avec ma vasque de sang, les cinq les pécores en fait sont bloqués là-haut. Ils sont de tomber mon duel là certes, mais ils sont bloqués là-haut. Et ici, 6 pécores. Là j'en ai 1, 2, 3. Il me faut d'autres pécores. Ils sont les pécores. Ils sont là. 1, 2, 3. 5, et un 6, voilà, les 6 pécores, euh, ok, allez, on réactive les monstres, on remet leur pastille ici, et on joue, alors on va commencer par le Dulaan, non, on va commencer par eux, là, la liche, là, la liche, il faut qu'elle fasse des trucs, la liche, hein, la liche, il faut qu'elle envoie du pâté, il faut qu'elle frappe la liche, voyons voir, est-ce qu'on a des options, autres... putain, on a rien du tout, quoi, hein. c'est insupportable, punaise, euh... Ah non, bah merde, ah oui, non, attends, j'ai déjà un truc comme ça, donc il faut que je lance un dé de moins. Bon, alors, on relance les dés, parce qu'en réserve, j'ai ça. C'est mieux, c'est pas ça, mais c'est mieux. Bon, là, j'ai deux pécores, donc les deux pécores, je vais les faire jouer en premier, ce sont les deux qui vont, c'est les deux le plus loin. Donc c'est eux. eux, eux deux vont arriver là. Euh, ensuite. Là, j'ai deux trucs comme ça, je peux utiliser ça, qui fait que mon premier truc peut cibler n'importe quelle zone. De toute façon, j'ai ciblé cette zone-là. Zone donc là, un pour tuer lui et un autre pour tuer lui. Voilà, donc j'en tue deux, je prends deux points d'expérience. Ce qui fait que j'arrive à 4 sur 5, malheureusement. Je n'ai pas assez pour passer mon niveau avec la Google. Il me reste ça, c'était joli, il me reste ça. Donc j'ai gardé ça en défense, je vais la mettre ici. Pour le garder comme ça, si jamais lui décide de m'attaquer, moi je riposte et je le tue. Avant qu'il ne pénètre le donjon. Voilà, et ça, hop, je m'en dégage. Après, du coup, ça va peut-être être au vampire de jouer, au Dulan. Faut pas que j'oublie lui là-bas. Hein. On voir que le Dulan, il peut, il peut s'amuser. Euh, je vais faire jouer le vampire. Le vampire, faut qu'il arrive à faire du, faire du dégât ici, le vampire. Vampire, j'ai rien gardé pour lui. Non, j'ai rien gardé pour lui. Le Vampire, il a 3D de défense. et ça. Euh, est-ce que c'est intéressant de garder 3D de défense Non, ce n'est pas intéressant. Je vais relancer ces 3D. Oui, 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 oui. oui. Là, là, je dis oui. Je dis grosse force de frappe pour le, pour le Vampire là. Euh, alors. Il peut en tuer deux. Comment est-ce que je peux en tuer Je peux en... 1, 2, putain, ouais, je vais prendre 1, 2, j'arrive là. Enfin, je fais 6, je pense que ça devrait passer. Je vais tenter un truc. Je fais 1 de mouvement avec cette capacité-là. J'arrive là. Corps à corps. Je tue lui. Je gagne donc 1 point d'expérience. Je suis à 3 points d'expérience sur 6. On est bon. Ensuite. Attaque à distance, attaque à distance. Ah non, mais merde, il faut d'abord que je cible eux. Ah ouais, mais ils vont me faire. Non, c'est bon, ils vont pas me faire mal. Donc je, je tue ces deux-là. Ce qui fait que j'arrive à 5 points d'expérience. Parce qu'en fait, je dois d'abord cibler les paysans et après les chasseurs. Donc avec ces deux-là. Il me reste un de mouvement. Après, j'ai plus de mouvement. Hein, pour aller ici. Et enfin, avec ma dernière griffette, je tue celui-là. Ce qui fait que j'arrive à 6 points d'expérience. Je suis déjà à 5. Plus 1, j'arrive à 6, je peux prendre un niveau. Ok, alors qu'est-ce que je vais prendre avec Donc c'est le Lich le qui a joué. Hein. Et pff, du coup j'ai gardé un dé qui sert à rien. Hein. Enfin une option qui ne sert à rien. Qu'est-ce que je prends comme niveau avec toi Je peux retirer deux blessures à la fin de mon tour. Je peux me déplacer de deux. Ou je peux, pour chaque villageois que je tue. Je pense, je pense que je vais prendre le, la régénération. Je vais prendre la régénération. Pourquoi Parce que là, là, il va prendre deux points de dégâts. Et après, ben, eux vont arriver, ils vont pas le tout de suite, mais au moins le 2 points de gars, il va s'en les... débarrasser le, le tour d'après. Ils cible, eux, du violet, donc à savoir c'est si la liche. Et donc j'ai le Dulan en fait, qu'il faut encore qu'il joue, le Dulaan, là-haut, voyons voir. J'ai oublié lui, putain, faut pas que je l'oublie, lui. Oula Bon, et eh ben on va faire différemment, hop, je vais faire ça, je relance les trois comme ça. On est pas mal, on est pas mal. Euh, C'était une griffe, là. Donc là, je fais déplacer celui le plus loin, loin... du village, donc lui arrive là. Avec celle-là. Euh, le Dulan, il va faire une attaque à distance sur toi pour te tuer. Gagne... Ben, je ne gagne plus d'expérience parce que j'ai déjà atteint mon niveau maximum. Ça, c'est fait. Avec le bouclier ici, je vais les empêcher de quitter la zone. Je garde un bouclier en défense et je fais deux dégâts. Donc j'en suis deux. Un, deux. Voilà. Donc je gagne deux, deux points d'expérience, mais ça, c'est n'est pas, pas bien grave. Euh, là, le bouclier, je vais le garder ici. Oh là Chute de jeton, chute de jeton J'ai échappé mon... J'ai échappé mon insert. Alors, mais on va le refaire, c'est pas grave, hein Alors, là, on va mettre les boucliers. Pff, putain, c'est pas possible, ils ont aussi cornichons. Allez, je, je, je fais la pause, je reviens. Hop, maintenant que ma bêtise est réparée, petit montage. Euh, je remplace le dé qui est là-bas par... Non, le dé qui est là-bas par ça, voilà. Ah non et puis un autre ici oui j'ai un bouclier et j'ai également mis un bouclier ici je ne vais pas y arriver je vais refaire la même et tu vas voir non c'est bon voilà donc c'est dire que les pécores peuvent pas quitter ma zone tant que c'est en place ça c'est plutôt intéressant et du coup en fait ça ce n'est euh, enlevé qu'à la phase d'entretien bon là on s'en fout <laughs> on s'en fout ok j'ai vu que la liche va prendre des niveaux euh, face des ennemis, on déplace en priorité ceux qui sont le plus proche du cœur du château. Donc, c'est dire c'est euh, eux ou eux. Cette zone là, on va commencer par la zone là-bas, c'est la plus facile. Donc, lui fait une attaque, mais c'est contré par le bouclier. Les deux autres, bah, et du coup, après ils sont censés aller là. Mais comme c'est un paysan avec le vasque de sang, il ne bouge pas. Et les deux autres font deux points de dégâts moi. Donc, vous savez que j'arrive à trois points de dégâts au total quand même pas falloir trop traîner, il va falloir que je, je descende. Mais il bouge pas. Ici. Ici, nous avons d'abord les chasseurs qui font un point de dégâts chacun sur lui. Et ils arrivent là. Donc le vampire prend deux points de dégâts. Et lui, trois points de dégâts pour le vampire. Et vous vous arrivez là. Voilà. Et on fait apparaître des nouveaux monstres. Là-haut, c'est une carte héros. Donc comme c'est une carte héros là-haut, bah du coup, on ne fait pas apparaître de héros. On pire une nouvelle carte. Et cette nouvelle carte... Va me donner l'apparition de héros. Encore un coup, donc ben, je pioche une nouvelle carte qui me donne l'apparition de 5 paysans. 3, 4, 5, voilà. Donc du coup, ils sont bloqués là-haut. Enfin, tant que j'ai mon Dulan avec son, son bouclier, ils vont être bloqués là-haut. Par contre, le Dulan, il euh, faut faire attention parce qu'il risque quand même de prendre bien cher dans sa mouille. Ici, encore des héros, putain, décidément. Euh, six paysans, ici, 6 pécores vont apparaître là. Alors mes petits pécores, ils sont là. 1, 2 commence à y avoir pas mal de pécores 3 4 5 6 ok bon alors maintenant j'ai une urgence à gérer ici on fait un petit rafraîchissement ça ça dégage ça ça peut utiliser ça dégage Le vampire qui est ici pourra bouger éventuellement, mais vaut mieux que je fasse jouer d'abord la liche ou le vampire. Donc plutôt d'abord le vampire. Plutôt d'abord le vampire. Allez. Qu'est-ce qui me fait le vampire Fais moi des trucs sympathiques. Le vampire, tu me fais encore une fois du caca. Putain. Oh là 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 là. Il là. n'y a pas une option d'attaque quoi. Que de la merde. Que de la merde pour le vampire. Euh, bon, ben bah lui du coup va arriver là avec ça. Euh, le vampire, il a deux dés de défense, deux dés de défense. Euh... Si jamais je me mets là, en fait, ouais, c'est ça le problème, c'est que je vais mettre là parce que je pense que lui pourra pas tuer tous les trois. Donc je vais sacrifier mon vampire entre guillemets. Lui, il va venir faire un point de mouvement ici, le vampire, là, et il va mettre ses 3 dés non il va mettre ses 2 dés ici en riposte ça veut dire qu'il va en tuer au moins un des deux enfin il va tuer les deux et les deux autres dés là je m'en sers pas donc je gagne euh, si je peux mettre en... je vais les mettre en réserve je vais mettre en réserve deux dés de défense avec le vampire donc ça fait que là sur sa feuille de personnage j'ai une riposte une seconde riposte et deux boucliers Pourquoi je fais ça Parce que euh, là, de toute façon, si cela s'active, on est là. Donc, je sais qu'avec au moins deux ripostes, sert le vampire à prendre des points de dégâts, mais euh, mais il va les tuer. Il va d'abord faire lui, puis lui. Ça veut dire que la liche ne doit en tuer qu'un seul des trois. Voilà. Si jamais la liche peut en tuer plus, c'est très bon. Si jamais elle n'arrive pas à en tuer, c'est pas grave. Au moins, elle en aura tué. Euh, au moins un des trois, ça suffit. Donc, le vampire, du coup, grâce à sa régénération, il se soigne de deux points de vie. Donc, il arrive à un. Le problème, c'est qu'il termine son mouvement ici dans une zone qui est euh, à la lumière. Donc, il devient embrasé. Donc, c'est-à-dire qu'il prend un, un token d'embrasement et une blessure en plus. C'est pas grave parce qu'en soi, il a déjà passé son niveau. Bon, je vais faire la liche maintenant. Donc, même s'il si, même si meurt, c'est pas grave, je perds pas ses tokens d'expérience. Il va revenir là au prochain tour, le château va perdre 2 points de vie, mais je suis à 5, je, je suis bon, je suis pas inquiété pour l'instant. La liche, la liche, elle est à 4 sur 5, donc là, il serait bien temps que la liche se sorte un petit peu les doigts du cul. Oui C'est mieux Je dis oui parce que c'est mieux. Alors, fais voir la liche. La liche, elle a un pouvoir magique qui va lui dire que euh, sa première cible peut cibler n'importe quelle cible, n'importe quelle zone, mais ça c'est pas bien grave. Parce qu'en fait, ma priorité, c'est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec deux attaques comme ça, je vais tomber. Toi. Donc, je vais faire une attaque comme ça. Toi. Du coup, je gagne 3. Trois... Je suis à 4 et un 5, je gagne un niveau. Donc, là, du coup, je vais regarder mon niveau. Zombifier, déplace tous les paysans de la zone vers une autre zone, n'importe quelle direction. Ça, c'est plutôt intéressant. Vos deux premières peuvent, n'importe quelle zone, non. Et la moisson spirituelle, subit des dégâts. Non, je vais faire ça. Je vais faire zombifier. Je vais faire zombifier pour, à, pour obliger les paysans à, à reculer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça avec une autre attaque à distance pour tuer lui. Ok. Donc maintenant, les, les paysans n'apparaissent plus. Je vais. Il me reste tout ça. Tout ça. Donc là, il y a moyen quand même de faire quelque chose, sachant que j'ai deux points de mouvement. Je peux faire avec un point comme ça de déplacement. Je peux arriver ici avec ma griffe. Je tue celui qui est là. Il me reste deux dés comme ça. J'utilise un premier dé comme ça que je mets ici pour déplacer tous les paysans dans la zone ciblée vers une autre zone, dans n'importe quelle direction. Ça a une portée de 0 ou 2. 1. 0, 1, donc eux, je peux les amener là. En fait, je fais en sorte qu'ils reculent. Voilà, tout simplement. Il me reste un de mouvement. Je n'ai pas envie de rester là, sinon je me crame la moustache. Pour le mouvement qui me reste, je reviens ici. Et j'ai fini mon tour de jeu. Avec la liche. Bon, là on n'est pas trop mal. Euh, on n'a que des paysans, on n'a plus de villageois. Les paysans là-bas sont bloqués comme on parle du LAN à condition que j'arrive à mettre du, du bouclier euh, dessus. Mais il faut quand même que je pense à les tuer parce qu'il est quand même à, à, à 3 sur 10. Et là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 1. Euh, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. C'est-à-dire que le Dulan ne va pas partir de la zone là-bas. En fait. Parce il y a plus de paysans que je n'ai de points de vie. Donc le Duléan doit essayer d'en détruire un maximum. Et, et ben, c'est la merde. C'est la merde. Ah, si, c'est bon. Il y a trois symboles magiques, je peux les relancer. Parce que là, du coup, je n'ai pas d'attaque à distance. Donc, malheureusement. Une petite griffe, s'il te plaît. Putain ah, Si, c'est bon. C'est bon, parce que là, j'ai trois boucliers. Allez, une petite griffounette. Oui, deux griffounettes, c'est bien. Ça me plaît. Donc, deux griffounettes. Je vais commencer par en taper deux. 1, 2, voilà, qui meurt, qui ne reviendront plus, jamais, 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 jamais maintenant. Euh, ça, c'est. Euh, je vais faire bouger celui qui est le plus L éloigné du cœur du château. Donc c'est cela. Donc lui il arrive là. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire euh... Je peux utiliser ma vasque de sang ici. Alors attendez, je peux... si, Je peux éventuellement faire revenir ici. Pour en tuer un et après rentrer rentre dans avec avec j'en blesse un autre, mais j'ai pas de dé. Je prendrai combien de points de dégâts si je fais ça J'arrive là avec, admettons, ça. Je fais ça, je tue celui-là, je reviens dans avec ça. Prochain coup, je prends 4 points de dégâts. 4 points sur 7, c'est gérable, c'est tout à fait gérable comme, euh, comme move. Ou alors, je reste en place, je fais ça, il bouge pas, je les tue pas et j'en tue un en plus. Et là, je vais me prendre 1, 2, 3, 4, 5. Et j'arrive à 8 sur 10. Et tout ça ne vaut pas qu'il bouge. Alors que bon, j'ai quand même ma et mon vampire qui sont derrière. Donc je pense que je peux tenter ce petit mouvement. Ou alors carrément le ramener là, le Dulan en fait. Hein. Le ramener là et puis utiliser mon zombie ici pour les ramener là-bas. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais faire ça avec le Dulan. Le Lan va utiliser un mouvement pour aller ici. Une attaque à distance pour en tuer un. On voit plus le plateau de jeu. Et euh, un autre bouclier de mouvement pour arriver ici. Comme ça, au prochain tour, en utilisant la magie, il pourra se soigner. Ouais. Ok. Euh, les paysans. Les paysans bougent. Euh, les paysans bougent. Euh, les plus proches du château, bah, c'est toi. Donc, toi, tu avances une case ici. Et vous, après, vous avancez de une case ici. Alors, là, effectivement, l'ordre n'importe peu parce qu'il n'y a pas de pièges, Mais il peut y avoir des pièges sur le sol qui font que bah, les, les, les pièges se déclenchent. Et toi, tu vas là. Donc là, il va falloir que ma liche, en plus, euh, en plus de faire du dégât, il va falloir que la liche fasse quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de paysans. C'est là que ce serait bien d'avoir la banshee pour pouvoir utiliser son fameuse attaque mort annoncée. Avec deux griffes, il tue toute... elle tue toute la zone. Bon. Je ne pioche pas de nouvelles cartes. Euh, je mets à jour ça. Ça, ça disparaît. Et pendant le vampire, garde ça en réserve. Alors, je ne suis pas obligé de les garder. Hein. C'est-à-dire que si je veux décider de les lancer, les dés, je me, je me débarrasse de ces deux trucs-là. Je vais commencer par la liche. Allez, la liche. Fais-moi plaisir, madame liche. Euh, putain, mais c'est pas possible. Hein. C'est insupportable, la liche. Elle a même pas de. Putain, elle a rien du tout. Quoi. Rien, rien, rien de ce qu'il faut. La liche, elle va utiliser ça pour faire un point de dégâts sur toi. Te tuer. La liche, elle va euh, utiliser ça pour faire bouger un paysan. Le paysan le plus éloigné. Donc, toi, tu arrives là voilà, il reste ça la liche elle va, euh, bah, je peux rien faire avec tout ça malheureusement je peux, je, peux, je peux avancer avec mon pouvoir ici, faire un mouvement ici est-ce que je peux, oui, je vais tenter d'aller un mouvement ici avec toi une griffonnette pour te tuer toi il me reste 2 dés il me reste 2 dés dans 1 de défense. Est-ce que je vais dans le tas ici, sachant qu'elles sont 7 et je ne pourrais pas m'en sortir avec la liche c'est n'est pas très intéressant. La liche, elle va juste revenir en arrière ici elle ne reste pas sur la zone qui est, qui est machinée ici. C'est tout ce qu'elle fait. Et l'autre dé, je ne m'en sers pas. Ok. Bon, le Dulan. Non, il faut que je gère cette zone-là en priorité. Allez, Dulan. Fais voir ce que tu me fais, le petit Dulan. Oui, c'est pas trop mal. C'est même plutôt bien. C'est même plutôt J'ai pas de bouclier, mais c'est pas mal. Euh, on va faire avancer un villageois le plus éloigné. Donc toi, t'arrives là. Pour éviter de me retrouver avec un mec ici et après faire lancer. Euh... Ah non, parce qu'il y a quand même là... il y a quand même cela. Mais bon, du coup, ce que je vais utiliser, je vais utiliser. Ah non, attends, 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 attends. Il faut que je vide ça là. Oulala, oh là là, là, là c'est la merde là. Non, non, il faut que j'aille là-dedans. Hein. Je fais une attaque à distance là-dedans. Je fais un de mouvement pour entrer là-dedans. Donc automatiquement, ma capacité inexorable se déclenche fait que j'assomme quelqu'un. Et là, il y a les trois griffes qui restent, je tue ceux qui sont là. Voilà, ça fait qu'il reste un et qui est euh, couché. Donc c'est dire qu'au prochain tour, il va juste se relever. Bon, maintenant le vampire, lui, tout ce qu'il a à faire, le vampire, le vampire va jouer. En réserve, je lui avais gardé deux boucliers que je dégage, parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir des boucliers en fait là. Euh, C'était au cas où, mais là du coup ça m'intéresse moins. Il va s'activer, euh, il va prendre un point de dégâts. Est-ce que j'ai fait le, le retrait de deux points de vie de tout à l'heure Je sais plus, euh, je me rappelle plus. Mais tant pis, ça prendre. Euh, et là, du coup on va lancer les dés. Donc là, il faut qu'il arrive à gérer ce qu'il a ici. Surtout lui. Allez, c'est pas si mal, mais c'est pas si pire. Ça veut dire que... Ah oh, putain, c'est... Non, c'est bon. Mais il doit rester sur place, il ne doit pas bouger. On va, non, on va, on va se sortir. Attends. Toi, avec la griffe, tu le tues. Parce qu'après, avec ça, je vais faire avancer quelqu'un ici. Et autour d'après, il va s'activer. Donc il faut que mon vampire reste là avec la riposte. Donc, je vais faire un de mouvement pour aller ici. Je vais utiliser un de magie. Pour m'enlever l'embrasement. Je vais euh, utiliser ça pour revenir ici. J'ai pas le choix. Euh, pour revenir ici. Voilà. Je vais ça pour faire bouger le Pécor ici. Et je vais garder en défense ce petit, euh, ce petit truc. Donc attends, du il a joué. là il a joué. Voilà. Ok. Et ça voilà. Ça en défense. Et du coup, j'ai utilisé mes 6 dés, ça veut dire que, fin du tour, déjà, ben, je me soigne de 2, je récupère, enfin non, je récupère embrasement, je prends une blessure, et je me soigne de 2 grâce à ma régénération. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer Lui, effectivement, il est proche du château, mais il va d'abord m'attaquer, avant de se déplacer. Donc il va m'attaquer, mais comme moi je riposte, je vais le tuer, ce qui fait qu'il va mourir. Et par contre, les 4 là, les cinq là, ils vont arriver ici. Donc là, j'ai absolument besoin d'un super jet de dés pour le prochain tour. Donc on va faire ça. Euh, lui s'active, il ils sont tous les deux une case de surtout. Je choisis le cas s'active mais ça impacte peu. Donc celui-là va s'activer en premier. Celui-là va s'activer, il va taper sur le vampire, qui, donc il fait un point de dégâts au vampire. Le vampire, grâce à sa riposte qui est ici, tu le villageois qui traînait. Voilà. Et eux, du coup, attaquent, personne ici, et se déplacent d'une case ici. Bon, alors, et je réactive tous mes petits bonhommes. Bon. Euh, là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué dans le sens où, si jamais je fais la moindre flamèche... Ah ouais, mais c'est perdu. Encore une fois, je me, suis, je me suis fait déborder, tout simplement. Parce que là, si je fais la moindre flamèche, la moindre torche, là, la partie est finie parce qu'ils vont avancer de 1. En fait. Donc ma seule chance, c'est de faire jouer la liche. Et essayer d'obtenir le zombicier. Pour les faire revenir ici. Ouais, c'est ma seule, ma, seule, ma seule opportunité. Allez, on y va avec la liche. Allez, vas-y, fais-moi un point magique. Putain, connasse. Putain, mais c'est pas possible. Hein. Ah non, mais c'est perdu. C'est trop perdu. Voilà. Parce que je ne peux pas activer mon pouvoir ici. J'ai pas de pouvoir magique. Je n'ai pas de quoi relancer. Je n'ai fait que deux boucliers ou deux, deux torches. Je n'ai pas trois valeurs d'un même dé, donc je ne peux pas faire de relance. Je n'ai pas d'attaque. Éventuellement, j'aurais fait cinq attaques. Je devrais fumer, c'était pas un souci. Euh... Ah non, j'ai beau réfléchir là, c'est perdu. Putain, c'est pas possible. <laughs> Ah, Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, s'il vous plaît, mais je pense que là j'ai de nouveau perdu la partie. C'est un petit peu frustrant comme jeu. <laughs> euh, ouais, ah, non c'est perdu hein. là. Là, je vais faire ce que je veux. Là, ils vont, là, ils vont s'activer. Ça, vont, il y en a deux qui vont venir ici. Euh, là, il n'y a pas de bouclier sur le vulan là-bas, donc euh, sur son, euh, vous voyez pas du répondre. Il n'y a pas de bouclier sur le vulan, donc lui, lui éventuellement n'est pas, n'est enfin, pas bloqué, mais sinon il est tout seul, donc, euh, voilà. Et c'est juste là, ben là, euh, Malish qui est censé faire du dégât, elle ben, n'arrive à... à faire aucun dégât. Ah là là! Même si je rentre dedans, ils attaquent, ils... Mais ouais, non, parce que de toute façon, là, du coup, à ah, moins que j'arrive à aller faire un... une bousculade. Mais ben non, même pas, parce que là, euh, la bousculade, là, ben non, la liche, elle rentre sans souci. Donc, il n'y a pas de bousculade. Et au pire, j'en bousculerai un pour pouvoir rentrer. Je ne vais pas tout de bousculer tous les paysans. Apparez-vous euh... <laughs> Mouais Mouais, 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 mouais. Moins, mouais, bon, mais c'est perdu. C'est perdu, j'active, euh, j'active, euh, bah non, non, enfin, bon, de toute façon, euh, même si je vais là avec un mouvement, rentre euh, là-dedans, euh, j'en tue un avec une griffe, ok, euh, bah, les autres, je peux rien faire, les deux autres, là, bah, ils s'activent, hein, et, euh, bah, ils vont là, hein. fin de la partie. Allez, on va se retrouver en, en vue de ma tête, pour débriefer d'un peu ce, un peu, d'un peu de ce petit fiasco, j'en perds, moi, de ce bah, petit fiasco. A tout de suite. Que vous dire <laughs> je, je, Voilà. Alors oui, je suis mauvais. D'accord. J'aurais peut-être pu le voir venir. Mais c'est un jeu où il faut beaucoup d'anticipation. <laughs> Et même avec beaucoup d'anticipation, si t'as pas de la château des. Sur les 6 dés, si t'as pas ce qu'il faut. Voilà, c'est pour ça que je, je dis, c'est un, un, un jeu qui est quand même très très compliqué à euh, jouer parce que si les dés ne sont pas là, la chance n'est pas là, bah tu, tu, tu subis quoi. Autant zombicide, tu arrives à t'en sortir, autant là, en plus, la condition de fêtes est terrible. Là. Si jamais quelqu'un atteint le cœur du château, c'est terminé. C'est pas s'il attaque, c'est s'il atteint. Donc, à partir du moment où il est dedans, tu même pas un tour de plus pour venir les, 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 les péter. Il y aura un tour de plus, ça, ça serait facile, ce serait du coup même trop facile. Euh, mais là, non, c'est s'il touche le truc. On, on est sur la mission 1, le tutoriel. Donc j'imagine même pas les autres missions. Je ne sais pas quelles sont les conditions de défaite. Peut-être que cette mission est dure, justement, à cause de cette condition de défaite de... Il le cœur du château, c'est perdu. Fais voir. Je regarde la mission 2 juste pour, juste pour voir quelles sont les conditions de défaite. Euh... Alors attends. Les monstres commencent la partie avec un niveau en plus. Euh, les héros n'apparaissent pas, les pièges ne sont pas utilisés. Dans ce scénario, chaque monstre ne peut y qu'un seul niveau, donc on atteint le niveau 2. Les, les, on, on met en place les événements, là, du coup. Voilà, on met en place les événements. Et on a, euh, on a deux pièces qui font plus un de dégâts. Et l'autre pièce qui fait que les chasseurs ne peuvent pas être blessés par les attaques de monstres ou les aptitudes de monstres. D'accord, mais sûrement par les pièges. Ok, dans l'entrepôt. Euh, ok, bon, ça fait que, en soi, c'est pas. voilà, Il n'y a pas cette condition de défaite terrible qui fait que, lorsque si un village a le cœur du château, la partie est perdue. Parce que, franchement, je mets à la place de, de quelqu'un qui a le jeu et qui veut faire cette mission de tutoriel pour découvrir le jeu et, et se faire fumer à cause de ça. c'est très frustrant, je pense que le jeu, tu le, tu, tu le gardes pas. quoi. Euh, la mission 1 est censée être une mission facile de tutoriel ou de prise en main. Euh, là, c'est pas le cas. J'ai l'impression que cette mission 1 est peut-être limite infaisable, entre guillemets. Parce que enfin, j'ai fait plusieurs parties hein, et j'ai rarement gagné hein, ce, ce, ce scénario. Et pourtant, j'insiste, hein, j'ai essayé plusieurs combinaisons de, de, de personnages. Si les dés ne sont pas avec toi, si tu n'as pas de chance sur les dés, comme sur mon dernier lancé de dés avec la liche, où je n'ai pas même pas été foutu de faire sur 6 dés un symbole euh, un symbole magie, euh, et ben là, euh, ben ça, 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 ça te complique vraiment la partie. Et, 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 et du coup, tu bah, t'écœures du jeu. Et pourtant, j'ai envie de l'aimer ce jeu hein, parce qu'il me plaît. Les figurines sont très jolies. C'est du Tower Defense. Tu joues les méchants. C'est vraiment atypique. Euh, mais si, je veux dire, si c'est pour, euh, pour être frustré des lancers de euh, dés, bah, à ce moment-là, tu joues à Zombicide. Et en, encore, tu sais qu'à Zombicide, les lancer de dés, voilà, si tu arrives à les mitiger. Tu as des relances. Tu des zombies qui vont te relancer et tout. Et tout. Là, tu n'as pas de relance possible hein, à moins de faire trois résultats. Alors, il y a peut-être d'autres monstres que tu vas avoir plus tard dans le jeu. Euh, en, en termes d'extension qui vont te permettre de faire des, des relances de dés, mais là sur les cinq de la boîte de base, aucun ne te permet de faire des relances de dés. Ils ont tous des pouvoirs qui permettent de, de gérer les salles en masse par exemple, mais si jamais tu n'as pas le bon résultat de dés, bah, tu l'as dans le cul. Voilà. Donc est-ce que j'aurais dû me garder en réserve, euh, limite tout le temps, une, un dé magique euh, pour la c'est vraiment l'avoir constamment, euh, dès que j'en fais un, je la mets en réserve et je ne l'utilise pas euh... Même dès le début, tu vois, enfin me la mettre en réserve et, et, et arrêter dessus si je pars, si je, si je sais que je pars sur cette capacité-là. Peut-être, peut-être que j'aurais peut-être dû faire ça. Euh, le Dulan est toujours très puissant, très tanky, ça c'est impeccable, il a perdu euh, 3 points de vie et il a bloqué à lui tout seul une aile complète du donjon. Le vampire est assez rigolo avec ses régénérations, même si du coup j'ai pris une régénération un peu plus costaud que celle de base, ça lui permet d'être également très tanky, euh, donc d'encaisser pas mal de dégâts parce que du coup il se, il se régène de deux, il a quand même deux dés de défense, donc tu peux quand même absorber pas mal de dégâts, tu peux absorber jusqu'à euh, ben, deux touches entre guillemets. Euh, sa forme de chauve-souris lui permet d'aller plus vite et le, vampiri le vampirisme va lui permettre de se soigner de un, hein, et en tout cas de, chaque fois qu'il tue un villageois, il peut récupérer. Il peut retirer une blessure d'une carte monstre. Donc il peut aller euh, se soigner lui ou quelqu'un de sa zone. Donc ça c'est aussi très sympathique. J'ai pas été embêté par les blessures tant que ça. Ce, ce, dans cette partie, c'est vraiment la gestion des paysans. Enfin euh, des, des villageois du coup qui m'a vraiment handicapé. Comme la partie précédente finalement, où je m'étais fait avoir sans réfléchir. Je pense que la partie précédente je l'aurais gagné si je n'avais pas fait ce mouvement à la con au niveau de la banshee qui est allé euh, taper des monstres au fin fond du truc alors que ce pas nécessaire. Ils auraient pu attendre. Euh, voilà. Mais là, là, du coup, c'est vraiment le manque de chance au dé, en fait, qui m'a fait perdre la partie. Euh, ma stratégie était ce qu'elle était. Mais euh, voilà, il y a eu plusieurs tours de jeu où, malheureusement, ben, mes montres n'ont pas fait grand-chose. Et du coup, ben, c'est ça qui te... qui te met dedans, en fait. Tu n'as pas de. Ben, as peu de solutions pour mitiger les dés, ce qui est quand même très, très dommage. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que en tout cas ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à commenter, partager et liker. Ce jeu n'est pas très visible sur le, le monde de l'internet. N'hésitez pas à faire circuler la vidéo pour lui donner un plus de visibilité. Essayez de trouver des, des occasions sur ce jeu-là, c'est un peu compliqué. <coughs> euh, voilà, 9, c'est 90 balles. Euh, voilà, si vous arrivez à le choper à 70, c'est bien euh, en occasion. Euh, par contre, euh, voilà, au-dessus, 120 balles, ça ne vaut pas le coup. Hein, voilà, Il y a des gens qui le vendent 100, 200 balles. Euh, non, n'y allez pas. À ce prix-là, n'y allez pas. Et je pense qu'il y a d'autres jeux de Tower Defense plus, plus sympathiques. Euh, peut-être Tree, euh, peut-être... Euh, encore je sais pas si c'est du Tower Defense, All Tree, mais euh, Last Bastion ou Ghost Story. Euh, là tu sur du Tower Defense. Euh, c'est dur, c'est très dur. Mais en jouant 4 personnages, tu arrives à en sortir. Là en jouant 3 personnages, c'est compliqué. Euh, là je ne passe pas à ce niveau d'initiation. Donc bon, j'espère vous pouvoir vous présenter d'autres vidéos avec d'autres personnages quand je les aurai reçus parce que je les ai commandés. Euh, les extensions. Euh, je, présenterai, je présenterai les extensions et après on verra un petit peu ce dont on... comment on fera euh, sur la chaîne pour vous montrer d'autres vidéos de, de Village Attack. Voilà. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.